Hey, c'est Charla, on est parti pour une nouvelle vidéo sur téléphone. Comme vous voyez, j'ai remis Airshow, en fait, j'ai tout simplement désinstallé la mise à jour en compagnie du grand et du puissant Duxilac. Salut. Yo. Donc, pour la présentation d'un jeu, Heroes of Incredible Tales, un jeu, un RPG, mais un MMORPG, je crois. Donc, ça va être la présentation pour l'instant. Donc, en gros, donc c'est un jeu de combat, hein, clairement, c'est clairement un jeu de baston. Si vous voulez vous bastonner, téléchargez ce jeu. En plus, il est gratuit, que ce soit sur l'App Store ou sur le Play Store. Sur Windows Store, j'en sais rien, mais en tout cas, normalement, il est disponible sur toutes les plateformes. On a fait une chaîne YouTube qui s'appelle la chaîne Joe, Lolotte et Duxilac. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Oui, n'hésitez pas. C'est ils font des lives sur Minecraft. Donc maintenant, je pense que je vais plus me réfugier sur ce genre de jeu. Je pense qu'on va faire une longue série. Donc quand vous voyez, je m'appelle Monsieur Synergy, M Synergy comme vous voyez. Donc voilà, je suis niveau 15 comme vous voyez en haut à gauche. Donc voilà. Donc en fait, c'est un jeu comme je l'ai dit, de baston. Et en gros, au début, quand vous commencez le jeu, vous devez choisir des personnages. Donc, les personnages qui sont ici, hein. Qui sont ici, les personnages. Donc, vous voyez Annika, Luca ou Lucas, je pense, je sais pas. Et Kiki. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Je vais pas faire de commentaires. Et Hugo. Donc, moi, comme vous voyez, j'ai pris Annika. Donc, Annika qui a une faux, comme vous voyez. Donc, après, il y a à côté Lucas. Je pense que c'est Lucas, hein, parce que ouais. Lucas, ça fait pas très prénom du Moyen-Âge. Hein. Je pense que c'est plus Lucas. Donc Lucas qui a deux petites épées, comme ça, il attaque plutôt vite. Donc Kiki, c'est une fée elfe. Donc c'est un peu une magicienne. Elle a l'air naze. Hein. Bah, Trapa l'a pris. Et, en gros, elle se téléporte, elle tire à distance et tout. Et Hugo. Hugo, ça me paraît pas très moyenâgeux aussi. Ouais. Et Hugo, voilà, avec sa grande épée. Il est français ou pas? Qui? Le jeu. Il a été créé par un français? J'en ai aucune idée. Parce mais vraiment. S'il a mis ça, c'est... Et c'est Hugo, donc avec sa grande épée, comme ça, il doit faire très mal. Donc, voilà. Alors, donc déjà, je vais vous présenter le menu. Donc, vous allez en bas à gauche, vous voyez équipement, compétences, coffres, guildes et magasins. Donc, on va commencer par équipement. Donc, en gros, les équipements, ça se présente comme ça. Vous avez, vous voyez mon personnage, et à côté, vous avez la tête de mon personnage. C'est un peu comme Diablo, en fait. Mais c'est exactement ça, ouais. c'est un Diablo. Donc, vous voyez mon armure, mes trucs et tout. Vous voyez même mes armes et tout. Donc, avant, il faut que je fasse un truc en live. Donc, je vais faire comme ça, équiper. Et voilà, et je vais... Ouais, en live. Enfin, en direct live, dans la vidéo, quoi. Je vais faire améliorer et je vais... Voilà, on va faire comme ça. Là, tu présentes juste ou tu feras un combat? Oh, bah, je vais faire des combats parce que c'est les présentations, ça en fait partie. T'en fais combien de temps, au moins? 20 minutes? Oh, je sais pas. De toute façon, t'inquiète pas pour l'upload, hein. J'ai l'habitude et envie de dire... Donc, j'ai des missions, là. Je vais réclamer le prix... Donc tu regardes un peu hein, le jeu ouais, si tu veux. Après on pourra faire des duels si tu veux. Ouais. Bon, j'ai pris Annika. Sur ma chaîne du coup il y aura deux trucs parce que moi aussi j'ai... Et peut-être que du coup on pourra faire les deux points de vue sur que ce soit sur ça ou sur Minecraft, je sais pas. Donc voilà, donc après vous voyez à côté de équipement, compétences, coffres, guildes et magasins, vous avez défis à aventure. Donc en bas à droite, donc on va commencer par aventure. Donc aventure c'est la base hein, tout simplement, c'est la base du jeu. Donc, vous voyez, je suis pas très puissant hein, en ce moment, je suis que niveau 15. Tu peux faire des combats en ligne ou quoi? Ouais, mais j'ai pas le niveau encore. Donc, on va faire le combat 2-7. C'est long hein, les combats ou ça? Non, c'est pas du tout long. Les défis, c'est sûr. Ouais, attends, je vais réclamer 5 gemmes. Donc voilà, on va combattre, c'est assez simple. Moi j'ai pris Annika, la faucheuse, parce que, en fait, celui à 2 épées, je savais que ça allait être un truc un peu rapide, donc j'aime pas trop. Kiki. Ça a l'air d'être... Non, mais je l'aimais pas trop en fait. Ah, c'est un peu un LOL préférais... Diablo, quoi. Je préférais un peu avoir un personnage corps à corps. Et donc après Hugo. Bah, Hugo, en fait, je trouvais ça pas du tout original de le prendre. Et puis, je suis pas très ce qui est badass. Hein. Tout ce qui est badass, j'aime pas trop. Je t'avouerais que
Je suis plus truc mignon, un peu kawaii. Ouais, elle n'est pas vraiment mignonne. Ah tiens, si vous êtes resté jusqu'à ce moment-là de la vidéo, dites dans les commentaires kawaii. Ouais, kawaii, ça serait pas mal. Et dites hashtag trapa aussi, ça serait pas mal. Donc vous voyez, combat, ça se présente comme ça. On se déplace avec un joystick, comme ça vous voyez, à gauche. Et vous voyez, à côté, il y a combat auto. Donc je peux activer, ça fera le combat auto, mais voilà. Donc après, à côté de combat auto, vous voyez mes capacités. Donc comme des éclairs et tout, là j'appuie. Et là, regardez, ça fait boum, comme ça. Et après l'autre, comme ça. Et voilà. Donc à côté, vous voyez ma faux, donc c'est pour attaquer tout simplement. Vous voyez au level 20, donc c'est la capacité que j'aurai au level 20. Et à côté, bouclier. Donc bouclier, c'est pour se protéger. Donc si vous bougez pas comme ça, et voilà. Et puis ça peut faire des esquives si vous bougez. Ok, donc voilà le boss, Cornella. Ah, déjà. Bah oui, c'était dit que c'était pas long. Ah non, je bug. Ah non, 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 c'est bon, attends, je vais me débloquer. Bon, ouais, je bug. Je peux plus bouger. Attends, essaye avec c'est un la truc défense. De... Bon, je bug, hein. Bon, tant pis, au moins... Elle attaque pas à distance. Elle, non. Oh, t'imagines. Mais il y a... J'ai rencontré aucun boss, je crois, pour l'instant, qui attaque à distance. Mais il serait trop fort. Donc moi, j'ai pris Annika parce qu'elle m'inspirait. Enfin, la faux, je trouvais ça pas mal. Bon, du coup, je bug, là. Donc, voilà. Donc là, j'ai terminé. Vous voyez, j'ai gagné des récompenses. J'ai gagné casque destin et tout, voilà. Donc, je vais vous montrer aussi les classes, parce qu'il y a un peu une sorte de classe de bâtiment, enfin, non, pas de bâtiment, d'équipement. Donc, vous allez voir ça tout de suite. Donc, je vais dans armure, et vous voyez, il y a ordinaire. Donc, ordinaire, tout ça. Donc, en gros, il y a plusieurs classes de classes. Bravo, Monsieur Synergie 2016. Donc, voilà, ordinaire, donc c'est la classe la plus basse, donc celle qui est le moins rare, hein, tout simplement. Et aussi la plus nulle, hein, parce que... Et aussi un plus nul, donc soit vous vendez, soit vous fusionnez, mais quand vous êtes au petit niveau. Donc après, vous voyez dans mes équipements, j'ai ça, donc c'est admirable, c'est juste au-dessus d'ordinaire. Donc après, juste au-dessus d'admirable, vous voyez, il y a rare, juste au-dessus de rare, enfin vous allez voir, je vais vous montrer. Donc je vais vous montrer les défis, pas en même temps, mais je vais vous montrer. L'installer. Ouais, vas-y. Donc je vais aller dans la tour des épreuves, et je vais vous dire toutes les... Donc il y a rare. Il y a rare, après rare, il y a héroïque, et après héroïque, il y a héroïque, ouais, héroïque, et après héroïque, il y a, attendez, oui, c'est celui-là, okay. Après héroïque, il y a épique, et après épique, il y en a un autre, hein. Sinon c'est pas drôle, mythique, il y en a encore un autre après, hein. faut pas, suprême, donc voilà. Donc, vous voyez, il y a vraiment plein de classes. La meilleure classe, bien sûr, c'est suprême. Hein. Faut se le dire. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer le défi. Donc, je vais dans le défi. Et donc, c'est la tour des épreuves que je vais faire pour l'instant. Ah oui, c'est vrai. Du coup, oui, j'ai pas le niveau parce que j'ai les toutes faites. Du coup, on va faire le sanctuaire de sang. Donc, j'ai pas encore fait. Donc, ça va être en direct live avec vous. Je vais pas faire le défi parce que voilà. Non, je vais attendre de monter de niveau et je vais vous présenter. Oui. On fait un combat, un dernier petit combat en aventure. Donc j'espère que ce style de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à lâcher un like et vous abonner. Enfin bref, à total. Si vous en voulez plus, si vous voulez plus de jeux surtout. Enfin, j'ai d'autres jeux. Hein. Je prévois aussi de faire du Clash Royale pour ceux que ça intéresse. Et je prévois aussi plein d'autres petits jeux comme ça. De toute façon, ouais, pour moi, c'est les meilleurs jeux, hein, les jeux comme ça. Donc voilà, donc on est sur le niveau d'après. Donc voilà, on va faire des comme ça. Et pour ceux qui regardent ma chaîne, avec donc Lolo, oui, avec moi et Lolotte, on va faire une série sur... donc attendez, je vais vous dire le nom maintenant. Ça s'appelle... Attendez, je le cherche. Il va vous dire... Là, vous avez un fond de combat. Donc ça s'appelle Dog Park Tycoon. Donc elle va faire ça. Elle me l'a demandé, du coup, elle va le faire. Voilà. Donc ça faisait partie du top 3 des jeux sur téléphone. Et dans cette vidéo, on a dit qu'elle allait faire une série dessus. Et oui, je fais un épisode sur ça, non pas pour plagier les youtubeurs que j'ai regardé dessus, mais parce que c'est un jeu que j'aime bien et que ça m'a donné envie. Et puis j'ai envie de dire si on peut plus faire les jeux. Enfin, en fait, c'est pas vraiment du plagiat parce qu'en fin de compte, plein de monde en a fait et...
En fin de compte, il y a plein de jeux qui ont été... Enfin, faut pas que une personne fasse un jeu différent, quoi. Parce que sinon, j'ai envie de dire, on n'y arrive plus. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, tout simplement, ce combat. Donc voilà. Ah, j'ai gagné une arme. Ah non, c'est une ordinaire. Bon, je m'en fiche. Je m'en fiche complètement. Donc voilà, donc on va s'arrêter ici. Attendez que ça charge. On va s'arrêter ici sur mon personnage. Donc voilà, on va tourner mon perso. On va laisser comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à partager. C'était Charla et à plus pour une nouvelle vidéo ou un nouveau... pour une nouvelle vidéo ou alors tout simplement un nouveau live.